Espérons qu'il est aussi bon qu'il le dise. Monsieur Jensen, je suppose? Merci d'avoir pris sur votre temps. Je m'appelle Meng Yao. Je travaille pour Monsieur Darrow. En fait, je dirige une de ses filiales ici, à Engsha. Vous nous avez été chaudement recommandé. Vraiment? Votre employeur parle de vous comme du rouage essentiel de son organisation. Apparemment, votre efficacité n'a d'égal que votre persévérance. Nous aurions bien besoin d'un homme comme vous pour cette opération. Quelle opération? Nous avons besoin de vous pour neutraliser un groupe terroriste qui menace le projet Panchaya. Vous pensez pouvoir la mener à bien? Bon, je vais vous aider. Excellent. Voici la situation. Nous avons appris que ces terroristes ont en leur possession des secrets industriels ultra-confidentiels concernant Panchaya. Nous avons pu les convaincre de les revendre à l'un de nos agents, un homme du nom de Lo Fei. Rendez-vous a été pris près du Alice Garden Pods, dans le quartier de Daegong. Et vous voulez que je m'invite à ce rendez-vous? En fait, ce rendez-vous n'aura pas lieu. Vous irez seul, afin de ne pas exposer la vie de Monsieur Fei. Les terroristes ne s'attendront pas à ça, et apporteront nos informations sur une puce mémoire. Vous devrez neutraliser tous les vendeurs, récupérer cette puce, et me la rapporter. Je comprends pas. Si Fei a organisé ce rendez-vous, pourquoi prendre le risque de m'y envoyer à sa place? Lui ou un de vos agents pourrait braquer les vendeurs et leur prendre la puce. Parce que Monsieur Darrow exige la garantie absolue qu'il n'y aura aucun mort. Nous ne jouons pas selon leurs règles. Nous voulons qu'il soit appréhendé et interrogé, puis jugé et condamné. Cette mission exige discrétion et efficacité. C'est pourquoi un homme doué de talent comme les vôtres est indispensable. Autre chose que je devrais savoir? Les vendeurs attendront Monsieur Fei, et seulement lui. S'ils vous repèrent, ils n'hésiteront pas à tirer. Vous n'aurez donc pas la partie facile. Toute l'histoire de ma vie.
cela marchait, frère. Ils s'en parlent depuis des années. Alors, vous devez récupérer cette puce, Monsieur Jensen. Ça fait longtemps que vous travaillez pour Darrow. Ça vous plaît ? Travailler pour un homme puissant fait que je me vois confier des tâches cruciales et que je participe aux grands événements du monde. C'est assez enthousiasmant. Vous devez le ressentir aussi, non ? De quel genre d'informations parlons-nous ? Qu'est-ce que ces gens espèrent vendre ? Je ne suis pas autorisée à vous le révéler. Une idée de l'identité des vendeurs ? Rien de très précis. Nous pensons qu'ils sont liés à Tai Yong Medical. Mais seule la puce mémoire peut le démontrer. Comment ça ? Chacune de nos puces mémoire est codée avec un identifiant unique et une signature numérique. Nous pourrons donc déterminer avec certitude d'où elle provient et par où elle est passée. J'ai la puce. Les vendeurs sont neutralisés. Excellent travail. Monsieur Darrow a eu raison de vous faire confiance. Nous enverrons des hommes s'occuper des terroristes. Puis-je voir la puce ? Et si vous me disiez d'abord de quoi il s'agit ? Du chantage, Monsieur Jensen. Ne perdez pas votre temps. Je ne vous dirai rien. En outre, il est des choses qu'il vaut mieux ignorer. Donnez-moi la puce et restons-en là. Écoutez, vous êtes une jeune femme puissante, et votre position vous donne accès à des informations top secret. Je comprends que votre puce recèle des choses très confidentielles, mais je suis comme vous. Je travaille pour un homme puissant qui me confie souvent des informations top secret. Et puis c'est moi qui ai risqué ma peau pour vous rapporter cette puce. Effectivement, je comprends votre point de vue. Mais cette information est de la plus haute importance. Elle concerne Panchaya, et plus précisément, le projet Iron. Le projet Iron ? Jamais entendu parler. Ça ne me surprend pas. C'est un secret bien gardé. Et sans lui, Panchaya n'aurait pas vu le jour. Panchaya est un projet très ambitieux. Une installation qui s'étend jusqu'au plancher océanique. La pression qui s'exerce sur elle fluctue constamment. Et le moindre accroc à l'intégrité de sa structure pourrait la détruire. Il nous fallait donc quelque chose de puissant et de très efficace pour la surveiller jour et nuit. Vous voulez dire que le projet Iron est un super ordinateur ? Oui, on peut le décrire comme ça. Merci pour votre franchise. Cette information est en sécurité avec moi, vous inquiétez pas. Voilà votre puce mémoire. Ah, parfait. Vous ne savez pas ce que ça signifie, Monsieur Jensen. Vous nous avez été d'une aide inestimable. Merci. Même s'il s'agissait d'un service que vous rendiez à Monsieur Darrow, tout travail mérite salaire. Voici le vôtre en crédit.
Je suis sûre que Monsieur Darrow tiendra à vous féliciter en personne. Il vous contactera très bientôt. Il semble que David ait du flair pour choisir ses employés, Monsieur Jensen. Vous m'avez rendu un grand service aujourd'hui. Ravi d'avoir pu vous aider. Il ne fallait surtout pas que des informations sur un sujet aussi sensible que le projet Iron tombent entre de mauvaises mains. Non. Non, en effet. Alors, Mengyao vous a parlé du projet, je vois. Un peu. Je crains que les mots peinent à le décrire. Pour saisir toutes les ramifications de ce que nous bâtissons à Panchaya, il faut le voir de ses yeux. Mais qui sait, vous le verrez peut-être un jour. Et dans la mauvaise partie de la ville, Lawai. Dégage. Et dans la mauvaise partie de la ville, Lawai. Dégage.
No, Yoruma! Quelqu'un ? Accès autorisé.